Bonjour les amis et bienvenue sur Web Paranormal. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une légende urbaine qui s'est avérée être parfois réelle, la Dame Blanche au bord des routes. Une de ses apparitions s'est produite en mai 1981 et reste encore un mystère à ce jour. Quatre jeunes gens, deux garçons et deux filles, rentrent en voiture sur Montpellier après avoir passé leur soirée sur Palavas-les-Flots. À la sortie de la ville, ils voient une auto-stoppeuse en bordure de route. Il s'arrête et propose à cette dame de la déposer à Montpellier. C'est une dame d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un imperméable et d'un foulard blanc. Sans dire un mot, elle acquiesce d'un mouvement de tête et monte à l'arrière de la voiture, entre les deux jeunes filles. La voiture redémarre et à peine un kilomètre plus loin, la dame se met à crier « Attention au virage !» Le chauffeur, surpris, ralentit et les quatre copains se rendent alors compte que la dame a disparu. Malgré une enquête de gendarmerie qui attestera de la sincérité des quatre jeunes gens et une grande médiatisation, aucune explication à cet événement étrange ne sera trouvée. À la même époque, mais cette fois-ci entre Montagnac et Pézenas, juste avant un grand virage dangereux, le même phénomène se produisit. Il me fut conté par des amis proches qui préférèrent ne pas en parler à la gendarmerie ou à la presse de peur de passer pour des fous. Après une soirée sur Montagnac, ils retournaient chez eux à Pézenas et, le long de la route, une jeune fille vêtue de blanc semblait attendre. Ils s'arrêtèrent et lui demandèrent si elle voulait qu'il la dépose. Sans un mot, elle monta à l'arrière, à côté de l'un d'eux, puis le véhicule reprit sa route. Juste avant le virage, elle poussa un cri strident qui les glaça d'effroi et c'est là qu'ils constatèrent qu'elle avait disparu. Ce type d'expérience semble mondial et en voici plusieurs exemples filmés en vidéo.
suivant avec d'autres images effrayantes de dames blanches, deux apparitions classiques, mais aussi une dame blanche pendue au-dessus de la route. De quoi donner des frissons. Certains peuvent se demander ce que deviennent les dames blanches après de longues années d'errance. Prennent-elles une retraite bien méritée? Rejoignent-elles l'au-delà? Je vous ai trouvé un cas qui montre qu'après de nombreuses années au bord des routes, la vie devient difficile. On arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle sélection de vidéos étranges et parfois effrayantes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être informé des nouvelles sorties. Cliquez sur le joli pouce bleu si vous avez aimé ma sélection. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec vos amis. À bientôt sur Web Paranormal.